Oui, le meilleur moment de l'année, c'est la nouvelle année. Le meilleur moment de l'année, c'est la nouvelle année. Et ton hiver, c'est depuis un petit jour. En fait, c'est aussi que ça fait quelques années qu'il est là, donc il y a moins de jours de pandémie. Et surtout pendant les fêtes. Avant, les moins de jours. Un petit peu plus, comme vous pouvez le dire. Plus de jours durant le temps, moins de jours. À part les mémos, mais. Là, on a une course. Et même le bouquin a fait plus d'une partie. C'est déjà bien. Ça se répétera peut-être plus, hein. Mais si, mais si. Et par contre, on voit dans Il y a, par instant, je m'entends plus du tout, lui. Hein. Je suis désolé. je disais, qu'est-ce qu'on voit une sacrée différence entre les professeurs chez nous et moi? Ah ouais? Ah bah moi je vois la vie sur belle mer, des détails et tout, je sais pas, c'est de la gelée. Oui, c'est bien important. La gelée agitée. D'ailleurs, vu la direction qu'on prend, c'est Le plus cher, c'est Monsieur Garrett. J'avais bien vu qu'il y a un bateau. Sur la gauche. Sur la gauche. Ouais. Donc, je vais les choper pour les avoir. Ça sent bien.
parti. On est dans la zone de la limite. Chez l'autre, descend. Pour la réparation. Comment ça, je croyais qu'on devait y aller à pied? Non, il faut se rendre sur l'île d'abord. L'île est défendue par des tourelles. Ta ta la la, ta 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 la la. Du coup, faut tirer dessus ou pas? Non, non, non. Il faut se garer dans un angle où elles peuvent pas nous shooter. Vas-y, Baka, remonte le voile. Donc ton angle où ils peuvent pas nous tirer, c'est droit devant. On sera suffisamment proche. L'ancre. Il faut jeter l'ancre. Sorry. Il s'est réveillé pour le nouvel an. On dirait. T'avais pas dit qu'il y avait des tonneaux avec de la bouffe? Il y en a un peu partout maintenant. On fait des. Que des boulets. Ah, on n'a pas de chance. Là. Ah, j'ai vu. C'est pas possible. Oh, petit bonhomme. Ok, nouvelle.
Il y en a un autre avec un balle qui arrive. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Alors, bon. C'est pas moi, j'ai pas vu, j'ai vu cuisine. Ah, des plantes. Attention, boulet. Mais il tire tellement fort. T'as pris toi aussi? Je me suis fait shooter.
Triste monde. C'est Vérez? Ouais, je suis la tête Vérez. Non, je parlais de vous, mais j'ai pas pu en face ni un ni l'autre. Oh, des ombres. Il attend, le soleil se lève. Ils ont pas l'air de venir. Tu as l'air de passer leur chemin. Ouais.
Bien joué. Parce que chic ici, il va passer quelque chose. Et un tonneau. D'accord, on t'entend plus, c'est normal. Allô? Parce qu'en fait, je comprends pas ce que vous dites, donc je préfère ne pas trop parler. C'est-à-dire qu'on était pas mal concentré sur le combat aussi. Il y avait un deuxième capitaine qui était sorti, il y en a combien encore? Chut. Ah, au total, je sais plus.
Même pas capitaine, d'ailleurs, c'est un maître des clés. Capitaine. Il me semble que ça, c'est le bruit pour le boss final. Voilà. Il ressemble à quoi? Frappe à deux visages. Tombez pas avec cela. Putain, il fait mal. Hein. Ouais, c'est bien le boss du. Baka, il faut savoir que quand on va finir l'événement, une fois qu'on aura tué le boss, putain, le crâne au-dessus de l'île va disparaître. Pour les joueurs, c'est le signal que la porte est ouverte et qu'il faut venir se servir, évidemment. Donc il faut rester au taquet, même après avoir. Oui, on prend tout et on se barre en rapide en 2-2. C'est ça. Ou alors, des fois, le mieux c'est de temporiser, de se casser avec la clé et revenir plus tard. Pourquoi il y a vraiment trop de trucs derrière la porte? Putain, mais à bout portant, c'est one shot. Ouais. Parce que c'est pas un pistolet qui a un canon ciblé. Pourquoi prendre les grenades incendiaires? C'est parce que vous l'avez tué. Mais j'étais tellement loin. Ah, j'ai oublié de faire la nage. Je te vois plus. J'ai téléporté.
c'est tout. Je vois qu'il était passé au côté, après j'avais un petit squelette. C'est moi ou t'es en train de canonner le boss là? Je suis en train de revenir. Oui, salut Trin. Et dans pas longtemps, bonne année. Tu ouvres ou tu ouvres pas, lui? Je vais te laisser ouvrir, maintenant. Allez, où les clés? Attends. Ah ouais, ça en fait des coffres. Ouais. C'est qui est génial. Ouais. Pour ramener les bons trucs là-bas. Je vais chercher sur lui. Ah, parfait, on a les clés. Ouais, si on y a un coffre des sables, ça serait bien. Sur lui, très bien. Ah non, on n'a pas d'autre.
faudra un chariot pour tout transporter. Vous avez une caisse pour les crânes et tout ça ou pas? Ouais, j'en ai une. Parfait. Les ossements, faut le prendre. Parce qu'on dit. Et c'est ça que le mec avait utilisé sur nous tout à l'heure, qui a fait le 30 secondes. Ces petits barils de poudre. Celui avec les ossements autour. Celui-là. On a du bol, ce sont aussi quand même. Le gâteau, mais... Bientôt minuit en même temps. Non, ils nous ont pas calculé. En dehors de la grotte. De quoi? Il y a un rubis qui est en dehors de la grotte. Ok. Il te reste un crâne et un rubis à ramener dans ton coffre. C'est où mon PC est en retard ou ils sont tous mis à lancer des feux d'artifice 15 minutes à l'avance. C'est pas impossible. D'accord. T'as déterré un coffre. Ouais, deux des capitaines qui est apparu dans le chef de carte. Vas-y, je finis. Ok. Reste une clé cendrée dans le navire? Clé.
Hello. Oula. Là, j'ai eu un lag. Il y a l'événement. Encore les faire. Oui. On a trop de trucs. Ah bah peut-être pas parce qu'on a là, on va vendre. Et ensuite on y va. Ok. Peux aller vendre à la faction PVP? J'ai vu qu'on avait un petit colis. On va voir ce qu'on peut ici. Je suis direct sur l'événement. Le nouvel événement. Victoire. On a un avant-poste devant nous à 1 km. C'est un bateau squelette, mais il attaque quelqu'un, donc il y a quelqu'un. On est ailleurs. Notre bateau est quand même dans un triste état. C'est-à-dire qu'il a de la bouteille. Il y a des fonds de bouteille peut-être. C'est l'expérience. Tu sais, nous on prend des rides, les bateaux ils prennent des trous. Ça me rassure de te dire des trucs comme ça. Ouais. On est attaqué. Parti. Bateau squelette. Non, ça c'est mégalodon.
Je vais tenter de le semer pour l'affronter, ce chien. Tiens. Eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne année. Bonne année, Bac. Bonne année.